Salut, bonjour, salam, tchoula pitchou, comment ça va, frérot? Est-ce que t'as mis ton pouce bleu? Big up, kafar, dinos. Yeah, miaou, miaou, miaou. Aujourd'hui, fixe B sur cash. Fixe B, comment jouer le fixe B sur cash? J'avais déjà fait le fixe B sur Mirage. Je vous avais expliqué déjà l'aspect général. Donc là, j'ai parlé vraiment uniquement du fixe B sur cash, ok? Donc s'il y en a qui l'ont raté, allez voir le fixe B sur Mirage parce que je parle de l'aspect général du fixe B, comment ça se joue, et spécifiquement sur Mirage. Là, on va juste parler de cash, ok? Avec des tips et des manières, etc., etc., etc. Donc le but du fixe B, c'est de faire son kill, de mourir, etc., et de gagner du temps surtout sur le backup. Donc maintenant, comment le jouer? Vous l'avez bien compris, il faut vraiment essayer de garder son stuff un maximum. Donc début de round, tu viens pas et tu smokes pas. Parce qu'après, pendant 1 minute 40, pour toi c'est la merde, t'as plus de smoke, t'es sur le BP. Donc déjà on essaye de jamais, 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 jamais smoke début de round. On essaye jamais. Sauf s'ils nous forcent. Et en plus en général maintenant, les contrôles B se font comment? Les mecs mettent toujours une smoke snacks ici. Ok? Pourquoi snacks? Parce que cette pause s'appelle snacks. Et donc ça t'aide en réalité. D'accord? Il faut le comprendre. D'accord? Ça c'est pas problématique. Cette smoke, tu viens, tu mets la mollo, tu mets une mollo profonde au niveau. Tu mets une mollo profonde au niveau ici là. D'accord? Pendant qu'elle a smoke. Et le mec il peut même pas traverser sa smoke. Mettez-vous bien ça dans la tête. Voilà. C'est le mec qui va être là derrière ta mollo. Et ensuite t'es là visu comme ça. Et après tu renouvelles ta smoke, snacks. Et ça leur pose des problèmes parce qu'ils peuvent pas la cross et ils ont pas le i. Et si ça passe i, tu fais ça. Et après tu viens derrière ta smoke. Voilà. Et t'as ton pote qui peut venir et te flasher le i. C'est un contre, on va dire, à ce move. Ok? Sinon, le fixe B sur cache, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous positionnez ici, d'accord, avec votre pote qui serait là, d'accord? Donc, info, on s'en fout, il a l'info, ça passe, d'accord? Ça vient en B. Toi, tu es ici, tu vises ce point-là, d'accord? Donc, en haut à droite de la caisse, là, et tu cliques droit. Là, t'as une one way ici déjà, faut le savoir. T'as une one way ici, une one way là, comme ça, etc. Si ça déclenche, tu fais des kills. Et ton pote, il peut ici, et il a une one way aussi ici. Une one way, c'est quoi? C'est qu'on voit que dans un sens, d'accord? Donc ça veut dire que le mec, en fait, là, on le voit pas, et là sur la caisse, on le voit pas non plus. Donc ils sauront jamais si t'es à droite ou à gauche de la caisse, tout simplement. Et toi-même, de toute façon, tu viens ici, tu te smokes. Tu viens, tu tires là, et puis après t'es juste derrière. Et si les mecs traversent la smoke, bah tu les tues. Et sinon, t'as qu'un seul truc à avoir peur, c'est la rivière, si t'es tout seul. D'accord? Donc le but c'est de délai son stuff un maximum pour qu'en fin de round, tu puisses te smoker comme ça. Ok? Ensuite, les flashs intéressantes. Donc c'est là. D'accord? Et flasher sur la droite. Ok? Flasher sur votre droite quand vous êtes de dos. Pourquoi? Parce que la flash elle peut être là en fait et vous pouvez décaler sur la gauche comme ça. Sans que vous soyez blanc. D'accord? Elle peut être ici. Donc ça blanc absolument tout le monde. Et les mecs ne la voient pas forcément arriver. Ok? Ils la voient même pas du tout arriver. Si vous faites ça, les mecs la voient arriver. Enfin, il y a tout le trajet, la voient de tout le temps en fait. Alors que si vous êtes là comme ça, tout ce trajet, ils ne la voient pas vu que c'est derrière le BP. Là, la flash, elle fait ça et boum, elle pète là en fait. Donc il n'y a que ce trait-là qui voit arriver, on va dire ça comme ça. La trajectoire, en tout cas, il la voit qu'à partir de là, jusque là. Donc il la voit pas. En réalité, il la voit pas. Donc vous mettez QBEP ouais, et vous visez ce trait orange là. Voilà, comme ça. Donc flash intéressante, c'est ça. Sinon, il y a deux trois petits tips si vous voulez changer de rythme, d'accord? Si vous voulez être un petit peu plus agressif, vous venez ici, vous vous collez là. Et vous smokez là. Donc le trait un tout petit peu à gauche du trait. Donc le trait un tout petit peu à gauche ici. Et là ça va vous faire une one way, vous allez voir. Donc là ça bloque parfaitement la droite. Et ça bloque la gauche ici. Et là ça vous fait une one way. Voilà. Bon, je l'ai raté. C'est génial. Donc on la recommence. Ok, voilà, là elle est beaucoup mieux. Et là ça fait une one way. Donc vous pouvez piquer un petit peu le mec qui est ici là. Et il s'attendra pas. Ok. Ok. Une fois que vous l'avez fait celle-là, maintenant vous pouvez la remettre. Vous pouvez la remettre en fait. Et aller pique sur la droite cette fois. Parce qu'en fait, regardez.
Mais il y a le rebord ici, en fait, et il y a un peu de smoke qui vous cache. Donc en fait, vous pouvez aller pique aussi sur la droite en agressant. Hein. Là, vous voyez pas dedans, vous verrez pas en fait. Mais si là, vous piquez comme ça, le mec ne s'y attendra pas forcément. Donc c'est une smoke que vous pouvez utiliser soit à droite, soit à gauche d'un niveau agressif. Sinon, si vous avez un AWP, d'accord, avec vous, qui viennent et qui prennent la ligne comme ça, vous, ce que vous pouvez faire, c'est passer dans le I. Vous collez ici, visez la tache verte et vous jetez. Ok. Un peu plus haut que la tache verte. La tache verte, un petit pas et vous jetez. Voilà. Et ça va faire une smoke western. Donc ça va bloquer toute la visu ici et ici. D'accord? Donc là et là. Tout simplement. Donc comme ça, après, vous avez absolument toute la room B et le riff, la WAP a toujours la ligne ici, et le riff, il vient, il se positionne là. Voilà. Tout simplement, vous gardez après toute la toxique, toute la prison après elle à vous. Voilà, on appelle ça une smoke western. Donc je vous remonte le repère. Donc là, la tache verte en haut, un tout petit pas et vous jetez. Un tout petit pas et vous jetez. Comme ça, voilà, vous êtes sûr qu'elle est bonne. Qu'elle soit bonne, pardon. Donc voilà pour le BFX. Donc si vous voulez être agressif avec un AWP, ça donne ça. Si vous voulez faire des petites one-way, ça donne ça. Si le mec fait un move snacks, vous le contrez en mollo au niveau de Soulvent. Vous renouvelez la smoke snacks et ensuite vous le jouez comme ça, etc. Prenez que cette info comme ça. Sans jouer à la mort, les gars. Sans jouer à la mort. On prend l'info et après on essaye de reculer. Vous pouvez après reculer ici. Et vous êtes derrière votre smoke ici. Et là vous êtes là. Ils peuvent pas vous tuer ici. Ici, ils traversent la smoke, vous avez l'avantage. C'est ça qui est important. Et après votre pote, de toute façon, il peut renouveler encore la smoke snacks. Ça leur posera beaucoup de problèmes. Donc ça c'est fait. Agressif, passif. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Au niveau général, je pense qu'on a fait le tour. Après, bah, bien évidemment, vous pouvez faire des totems. Vous boostez ici, comme ça, vous avez la visu comme ça, là. Vous aurez un peu moins de visu, voilà. Vous aurez un petit peu plus. Voilà, vous aurez ça comme visu. Donc c'est assez fort. Tu peux venir sur la caisse ici, en ligne cassée ici, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que là, le mec, il décale. Il décale. Il décale. Et là, il est obligé de décaler ici, en fait, à ce moment-là, ou de regarder le i. Voilà, et c'est à ce moment-là que vous êtes là, d'accord? Donc, pas de ligne ouverte. Soyez au courant de vos lignes, d'accord? Pas de ligne comme ça ouverte. Là, il va vous checker un petit peu. Ok, donc vraiment, on se met derrière. On se met vraiment derrière, hein, à ce niveau-là. Voilà, on se met derrière comme ça. On essaie de prendre une belle ligne cassée. Là, on lâche son spray. Si ça déclenche en B, on se smoke comme ça. Voilà, et on reste derrière sa smoke. Si ça traverse, je tue. Si ça vient ligne tête, je tue. Ok? C'est donnez-vous un avantage. Essayez de délayer le backup un maximum pour faire gagner du temps à vos rotations. Ok? Donc voilà les cafardinos. J'espère que le BFX là sur cache, ça vous a plu. Si vous avez d'autres trucs en tête, d'autres idées de vidéos, de positions et tout selon les maps et tout. Pas de map exotique s'il vous plaît. Des maps qui se jouent en compétition. Bah, je le ferai. Bisous à tous. Je vous embrasse.